juste le premier lancement, juste le texte, jusqu'à celui-là. En fait, il y a la météo, mais elle vient après la météo. Il y a 26 secondes de texte. Entre jusqu'au lancement du texte. Bonjour et 2 minutes, il y a 26 secondes. Entre moment et. D'accord, ok, d'accord. Je te remercie. Oui, c'est mal fait. Non, c'est bon, c'est bon. Non, c'est bon, c'est bon. Oui, parce que ça doit être assez long, parce qu'elle dit. Elle explique un petit peu. Page 19. Oui. Bonjour et vraiment très heureuse de vous retrouver car aujourd'hui c'est le grand jour, celui de la révélation du grand gagnant de notre concours du plus beau marché. C'est la 4e édition, plus de 3 500 000 votes et regardez, Dominique Lagrousse en père est quelque part en France chez le vainqueur. Alors Dominique, on va encore faire durer un peu le suspense, s'il vous plaît. Ne laissez rien paraître, juste un indice, peut-être le temps qu'il fait autour de vous. Regardez, le soleil est là, évidemment, c'est le plus beau marché de France. Là, on va sur un direct derrière. On va sur un autre direct. On revient sur Marie-Sophie d'abord. Okay. On ira très vite sur un direct Narbonne. Chef étoilé avec Laurent. Écoutez Laurent, écoutez sa joie. Qu'est-ce que vous faites en place, Charnay, là ? Oui, bonjour. Le plus beau marché, oui, c'est étape. Ça, c'est bon parce qu'on a un marché convivial. On y a encore d'autres. Merci d'avoir un chef étoilé, mais pas que. On a plein de personnes qui viennent. Vous avez plein de petites tourbières, des petits restaurants, des chez les locaux, des produits qui viennent de la terre, de la mer, on sait ce qu'on mange ici, et c'est pour ça que c'est bon, n'est-ce pas? Exactement. Merci. Regardez Marie-Sophie, je vous rapporte un très très beau bouquet, d'accord? Merci beaucoup. Bravo à Etat. Évidemment, quand même, on pense aussi aux autres marchés, à tous ceux qui étaient en compétition cette année. Et on va maintenant vous dire qui arrive deuxième. Ce sont les Pâles de Narbonne dans l'Aude. Il y a 2 ans déjà, elles étaient les cinquièmes. Cette fois, elles ont été relativement longues. Elles ont été exactement à quelques jours de la fin. C'était vraiment très serré. Florence de Juvigny, la victoire était tout près. Les gars, j'avais oublié d'allumer le micro. Ouais, voilà. Déjà, bon week-end et allons-y. Dis pour le synthé. Hein. On y va pour le synthé. Allez. On sort comme ça. 35 secondes derrière. Oui, pas plus bon, pas trop bien. 43,05. Comme tu veux. On va dans deux secondes. Bravo, merci à tous. Sorti, merci. Bravo, Eric. Magnifique. Je suis un peu excité pour Charlie.